En tant que président du groupe vasculaire thrombose, je suis heureux de vous dire qu'on va changer de nom et on va s'appeler maintenant groupe aorte et vaisseaux périphériques afin d'être en phase avec le groupe aorte vaisseaux périphériques de la Société européenne de cardiologie. Donc c'est une nouveauté importante pour l'année 2017 car au-delà du nom, bien sûr, on a l'ambition d'attirer l'ensemble des cardiologues qui vont s'intéresser à l'aorte et à la pathologie aortique. Ça va de la dissection, ça va de l'aorte ascendante, de la crosse à l'aorte descendante, des anévrismes, des maladies rares, des maladies inflammatoires. On veut vraiment que notre groupe soit le carrefour pour la prise en charge des pathologies aortiques.